Hello la compagnie, c'est la Fliss et je suis de retour sur 7 Days to Die avec notre ami Biff. Salut Biff. Salut. Comment vas-tu, cher Biff? Ça va et toi? Bah ça va, mais je suis pas super rassuré par la horde qui arrive. Je crois justement que nos nouveaux amis vont compromettre notre intégrité physique. Un petit peu, oui. Alors pour info, nous étions en train... Oh punaise, oh non, je suis plus sur le jeu. Ah, ça m'a recliqué en dehors de la fenêtre. Au secours. J'ai... Oh non, c'est pas vrai. J'ai un doublon de curseur. C'est pas bon, ça. C'est pas bon du tout, c'est bon. Je n'ai plus de carreaux. Eh ben, maintenant, on est mal. Je commence le massacre sans toi. Par contre, attends, je sens super fort dans mes oreilles. J'espère que ça ne sera pas le cas sur la vidéo. J'ai l'impression que si. On va les laisser avancer, je te laisse faire. Hein. Et je n'ai plus de balles. Ah, j'en ai. Mais je sais pas ce que j'ai. Non, j'en ai pas en fait. J'ai des cartouches. Vas-y, viens, rentre. Vas-y, viens, nanana, là. Avec ta jolie robe. Je te kifferais bien ta robe, toi. T'es prête pour aller en boîte. C'est clair. Oh, tu es mort. Elle a fait son 4 heures. Alors j'ai réglé ma sensibilité de souris, mais ça redevient totalement ingérable. Ouh, punaise, je suis morte aussi. Mais de toute façon, je meurs de faim. Ah, voilà pourquoi je prenais des dégâts tout à l'heure. D'accord, t'avais la dalle. J'avais la dalle. Tu viens de capter maintenant. Oh oui, vas-y, tape-moi pendant que je respawn, je te dirai rien. Ah voilà, c'est la guerre dès le départ. Je lui laisse même pas le temps de me toucher, sauf qu'il m'a tué quand même. Ah bah c'est un beau début pour ce oh purée, pour ce let's play. c'est quand même magnifique. Hein. Ah ouais, on vous fait une superbe entrée en plein dans le vif de l'action. On s'attendait pas du tout à ce qu'il y ait une horde qui arrive. Oh putain, j'ai un gros. Ah, allez, venez dans les pièges là. Allez, viens. Un gros quoi? Eh bien, ensuite. Un gros là. Un gros. Ah oui, d'accord. Voilà, je te l'envoie. Je les attire dans les pièges. Hop là, pas foutu d'ouvrir une porte, même défoncer, ça ils savent faire. Hein. Bonjour le gros, bien. Bien, bien gentil. Voilà, c'est bien. Bim. Il y a déjà des pièges qui ont été cassés. Ah, et ils pètent assez rapidement. Allez, ça va, ils ont bien tenu. Mais reviens ici, qu'est-ce qu'il nous fait? Il nous fait le contour, lui. Il contourne. Ah, ils sont malins. Hein. Putain. On dirait pas comme ça. Hein. Vas-y, viens. Hop. Saute. Bonjour, le gros. Allez, viens. Oui, voilà. Oh. Et il en a rien à faire. Moi, je me suis pris un piège. Il devait rester une pique qui tenait comme ça. Je pense que tu vas pouvoir refaire l'intro de ce let's play. Hein. Tu vas pouvoir dire salut la compagnie, c'est la Fliss dans le... qui est le plus mauvais joueur à 7 Days. Dans le... Hein? T'as dit quoi dans le quoi? Dans le let's play. Attends, parce que il faut... Ah zut, je ne t'entends pas assez. Les bruits du jeu sont toujours trop forts. Alors, ce que je vais faire, c'est que... Petite ellipse. Et nous revoilà, on devrait pouvoir t'entendre un petit peu mieux. Alors, je remets tout ça, je te rends des trucs qui doivent être à toi. La Fliss, oui. J'ai un secret à te dire. Oui, je t'écoute. Tiens, je te donne un truc qui est à moitié pété. Merci. De rien. Tu veux entendre mon secret? Oh mon dieu, c'est quoi cette position? J'en ai marre de mourir comme un mec tout pourri. Mais on est tout pourri. Eh oui, on est tout pourri, ça se voit. Hein. Je compterai pas mes morts. Enfin, si on va le faire, je suis déjà mort 16 fois. 16 fois? Tu vois ça où? Ah, si tu fais tab. Ah oui, attends. Ah oui, c'était là, oui. Ah bah tiens. Ah non, tu t'es pris juste des dégâts. Oh, je suis morte que 10 fois, moi. Ouais. Et j'ai vu un nid tout à l'heure. Il était là. Est-ce qu'il est encore plein? Oui.
Voilà, je... Oh, 25 plumes! Ah oui, ça rapporte. Bon, alors, la flisse, qu'est-ce qu'on va faire de beau cette nuit, enfin, en ce jour 2 à 19h51? Eh bien, comme tu viens de le dire, il va faire nuit. Pourquoi elle est ouverte, cette porte? Je pense que nous allons faire les fous. C'est-à-dire que... On va peut-être avancer la maison, mais on va aussi défoncer un petit peu des zombies qui vont être super difficiles de nuit. C'est-à-dire tout ce qui va s'approcher autour de nous pendant qu'on récolte plein de conneries. Et après, qu'est-ce que tu nous conseilles de faire d'autre la nuit? Ah bah, dans le jeu, évidemment. On peut faire plein de choses. Hein. mais dans le jeu... Dans le jeu, ben, ce qu'on pourrait faire... En général, moi, ce que je préfère faire la nuit, c'est crafter. Le craft. Voilà, s'avancer un petit peu parce que les zombies sont complètement fumés, cheatés. Quoi. Voilà, complètement cheatés. Dire, hein. C'est le mot. J'aimerais quand même, avant la tombée totale de la nuit, c'est trouver d'autres nids pour avoir plus de plumes, si possible. Si possible, si ce n'est pas trop demandé. Des cailloux aussi. J'ai besoin de cailloux, de sticks et de plumes pour mes carreaux parce que j'en avais plus de carreaux parce que le temps de lancer la vidéo, on s'est aussi tapé plein de zombies qui se sont incrustés chez nous. Pourquoi? Parce que on a voulu faire les idiots moi j'ai voulu lui faire une tête avec un carreau et lui a voulu me tirer dessus avec un fusil. Donc forcément ça a fait beaucoup trop de bruit le fusil et les zombies se sont ramenés. Voilà, une petite horde d'ailleurs. Donc c'était très malin de notre part. Bon, je t'ai un petit peu abandonné, là je suis à la recherche d'un éventuel nid. Oh t'inquiète pas, je suis un grand garçon, je vais me débrouiller. Par contre, je te parlais du jeu sur le premier Let's Play, je te disais qu'il y avait beaucoup de mises à jour, etc. Oui. Et effectivement, ça se reconfirme encore une fois parce qu'il va y avoir la mise à jour de la 8.2 pour ce week-end. Déjà ? Théoriquement. Ouais, déjà. Donc tu vois, on vient de le commencer, il y a déjà de nouveau... une mise à jour, quoi. Ils disent qu'il y aura un petit peu de contenu, mais c'est surtout, pour l'instant, c'est un petit peu secret. Donc, d'accord. Donc l'intégralité du contenu, on la verra sûrement ce week-end, si la sortent en temps et en heure. Ah, génial. Ah, ben, j'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir ça, et bien évidemment, on pourra le découvrir en vidéo. Ça, c'est plutôt sympa. Poum poum poum, Denny, j'en ai eu qu'un, j'ai récupéré que 9 flèches, j'espère que je vais pas me faire avoir. Il y a de l'eau là. C'est quoi, c'est une rivière? Ah ouais, c'est une rivière. Ah, mais je peux pas remplir mes trucs du coup. Ah si, bah si, carrément, tu fais un clic droit dessus et... Un clic droit sur les... quand tu les tiens en main et ça va les remplir... tout seul. Oh, trop bien! Ah du coup, attends, je vais en profiter pour... me réhydrater complètement. Bah oui, forcément que tu vas mieux. Sauf que, encore une fois, merveilleux bug, j'ai perdu mes jarres. Je ne comprends pas pourquoi je ne les conserve pas. Alors, elles sont réapparues quand j'ai relancé le jeu. Mais là, vous pouvez en être témoin encore une fois pour mon personnage. Mon personnage qui est complètement bugué. Je ne sais pas ce que j'ai fait avec elle, mais... je l'ai un petit peu... Foiré! Donc, il n'y a rien dans ce nid-là. Bon, c'est la nuit, il faudrait que je rentre, c'est ça? Exactement. D'accord. Et moi, je dirais même plus, comme on est un petit peu aventuré dans l'âme, on pourrait quand même faire un tour dans une zone qui va nous rapporter de quoi être tranquille pendant au moins un jour ou deux. Oui. Que je connais bien. Si tu veux le montrer sur la carte, c'est la ferme qui se situe en haut à gauche de Dersville. Dersville, la ville qui est juste au sud de notre position. D'accord. Oh. Oui, je suis pour. Alors attends, d'abord je vais revenir au camp et je vais quand même crafter mes carreaux, vite fait. Je me trompe de direction pour pas changer, mais ça on est assez habitué de toute façon. Alors du coup, oui, alors attends, un instant. Je mange pendant que je marche. Comme ça, voilà, je suis rassasiée, je n'ai plus trop faim et absolument plus soif. Déjà, ça c'est une bonne chose. Une bonne chose pour la survie. Du coup, j'ai trouvé une boîte de conserve dans un tronc d'arbre.
Ça, c'est pas mal, hein, mais... Voilà. J'ai 2 œufs aussi. On pourra faire des œufs au plat Des quand on aura omelettes, oui, là. on va faire une omelette après. Alors, du coup, craft de... Où est-ce qu'ils sont mes petits cailloux? Là. Hop, ça en fait combien? Juste une. J'ai 38 plumes. Donc on va... Bon, écoutez, on va mettre tous les cailloux, de toute façon. J'ai 38 plumes et je n'ai pas assez de sticks. Mais ça, c'est pas grave. J'ai encore des bûches. Des bûches, des bûches. Donc, on va aller visiter une ferme que tu connais bien. Exactement, c'est la ferme de mon ami Herschel. Oh. Oh. Il y a la ferme d'Herschel ici? Exactement. Waouh. Trop bien. Elle est pareille, mais en différent. J'entends un drôle de bruit. Alors, t'entends un drôle de bruit, effectivement, moi aussi. C'est un... Oh, purée, voilà. C'est un ennemi qu'on n'avait pas encore rencontré, mais qui arrive à notre rencontre, tout seul. C'est un frelon de l'espace. Aïe. Oh, purée, voilà. Bon, bah, je vais régler son compte, parce que moi, je suis pas un rigolo. Mais... C'est quoi cette abeille? Ben, c'est un frelon de Fukushima. Il est venu directement, il nous a vu, il est venu. Par contre, il est généreux, hein, parce qu'il nous a lâché un jar of honey. Donc, en fait, wow, du miel. Un bocal de miel. Et le bocal de miel, en fait, il est génial parce que c'est très très nutritif. D'accord. Je vais m'empresser de le manger. Bien sûr. Voilà. Bah oui. On est roseaux. Et si tu veux, bah, on va pouvoir y aller. Fais gaffe, t'as 2 zombies là encore. Eh ben oui, mais comme je disais, je finis juste vite fait. Ah non, attendez, c'est pas ça du tout. Comment on fait les sticks déjà du coup? C'est de... Comment on fait un stick? Ah oui, non, c'est bon, j'ai trouvé. Je l'ai montré, mais je m'en souvenais déjà plus. Je pensais que c'était les bûches, mais en fait, non. Les jupes. Ouh, ça ne va plus. Ça ne va plus tout. Faites vos jeux. Hop. Et hop. Voilà. Des petits carreaux. Je vais avoir 38 carreaux. Ça va pouvoir combler un petit peu en attendant. On va virer le couteau de chasse pour le moment. On va le mettre bien précieusement dans notre inventaire. Qu'est-ce qu'il nous reste là-dedans? J'ai plein de potassium. Bah, de toute manière, là, le potassium et tout ça, il nous faut d'autres objets, en fait, pour en faire quelque chose. Donc, pour l'instant, on va mettre D'accord. gentiment de côté. J'ai placé encore des coffres derrière nous. Ah oui, c'est vrai que les coffres, du coup, j'y suis même pas allé encore. Ah ouais, moi, je me suis, si je puis me permettre, littéralement vidé dans les coffres. Alors, hop. Ceci ici, ceci là-bas. Très bien. Là, est-ce que j'ai un carreau? Voilà, très bien. Alors, qu'est-ce que tu as mis là? Ah, mais ils sont grands les coffres! Mais oui! On a plein de trucs. Et de machins D'accord. aussi. Des trucs et des machins tout plein. Ça, c'est bien. On ah pourra, ouais, ouais, mais on rangera plus tard. Hein. Ça, c'est vraiment. C'est quoi ce truc-là? Toile d'araignée. Je mets les plantes aussi. On pourra se faire un petit jardin et tout, ça va être sympa, on invitera des zombies à faire la teuf chez nous. Ouais. Les copains zombies. Ça, je sais pas ce que c'est. Brass Dokno. Oh, c'est une poignée. C'est une poignée, ça. Ouais, t'as cassé une porte. Je sais pas, j'ai ça depuis un moment. Ouais, ça doit faire partie des... Justement, quand tu casses des objets, des fois, ils dropent d'autres objets qui te servent à faire d'autres objets, et ainsi de suite. D'accord. Cercle vicieux. Hop, hop, et hop. Voilà, j'ai rangé mon inventaire, je suis prête à partir. Ah, faudrait peut-être prendre une torche. Oh, c'est bon, je vais faire le guide. Suivez-moi, maître. Et la petite dédicace à notre ami sera Mago, lumière. Donc si vous n'avez pas suivi, lors de certaines lives où on a joué à Grimrock, Sora, notre cher sponsor follower de la mort qui tue, joue un mage sur lequel on râle tout le temps pour qu'il nous fasse de la lumière. Et donc, ça devient un culte sur la chaîne maintenant, de plus en plus. Et moi, ça me fait toujours penser à Camelot. Arthur, Quiel.
Je ne te connais pas encore, Sora, mais t'inquiète pas, elle m'a dit que du mal de toi. Bien évidemment. Bien évidemment. Il nous a pas vu? Alors, Non. où sommes-nous? Ça, alors, c'était la petite station qu'on avait visitée. Alors, sachant que dans le jeu, il y a des réglages, y a des réglages qu'on peut soumettre. Et en fait, c'est une station, c'est un endroit que nous n'avons pas visité. Enfin, du moins, je ne... Ah, si. Si je dis des bêtises. Tu y allais à l'intérieur, toi? On y allait en fait, Ah, on moi je était suis par pas allée le à côté. l'intérieur, hein? Je préfère pas y aller en fait. Moi non plus. Donc là, on s'est mis comme objectif un respawn d'objets tous les 7 jours, il me semble. Oui. Donc voilà. Hein, Ah, mais tout va respawn en fait. au bout de 7 jours, hein, donc tous les lieux D'accord. visités, etc. Si tu veux les revisiter et avoir quelque chose, il faudra attendre 7 jours. Ah ouais, donc en fait, on peut y revenir et il y aura des nouveautés. Au jour 7, donc faudra voir si on tient jusqu'à là. Ah, Alors parce là, on va. qu'on peut éventuellement crever avant les 7 jours. Comme on l'a fait là, oui. Et puis si la situation devient intenable, je sais pas ce qu'on va faire de nous, quoi. D'accord. Au bout d'un moment, quand c'est trop douloureux, il vaut mieux se restreindre, hein, et passer du côté Et obscur, hein. il n'y a pas moyen de d'évoluer de façon à nous sortir d'une situation périlleuse. Il y a un zombie juste à côté de toi. Hop là, il nous a pas vu, on va y aller gentiment. C'est pas Écoute, une abeille? si, alors au pire, on peut changer de spot, enfin d'endroit sur la carte, si celui-là est vraiment défavorable. Sachant que le premier jour, on s'est déjà pris une horde dans la tête, hein, quand même. Deuxième jour, pareil. Deuxième jour, pareil, ils ont dit salut les voisins. Donc, mais on verra, hein. De toute façon, pour l'instant, on est bien. Oui, ça marche très bien. On va s'en sortir. On est deux Roxors tout pourris. Exactement, des Roxors de niveau low cost. Niveau moins 100. Oh Je crois là! qu'elle m'a vu. Elle est où? Elle est où? Non, elle m'a pas vu. Oh putain. Ah si, il est ignoble! Hop là! Bim! Si c'est pas Oh! beau, ça. Oh là là! Par contre, il y a des copains en dessous là. Et j'ai soif! J'ai soif! J'ai soif! Tu sais où elle est tombée, l'abeille? Alors, elle est tombée par ici. Je la vois pas. Par ici, non, pas par là. J'ai vraiment très très soif. Aïe aïe aïe. De l'autre côté là peut-être. Il y a de l'eau là de derrière? Il y a de l'eau derrière, bonne question. Non, il n'y a Peut-être. pas d'eau, elle est quand même assez loin de l'eau. Ah oui, je suis littéralement. T'as rien, toi. T'as rien à boire. Elle est là. Ah non, j'ai rien moi. Oh. Du coup, ouais, la jarre aphonie, c'est... Non, il y a C'est mieux. Ah si, nutritif, mais. hydratation, plus 5, ça t'évitera de crever. Tiens, je te la mets par terre. Hop. Si ça veut bien la lâcher, voilà. Sinon, non, j'ai plus rien du tout. Et j'ai même pas mes jarres, en fait, étant donné que... Oh, c'est la dalle, en fait, qui va me prendre bientôt. Oh, il y a un zombie là. Attends. Putain. Oh purée, je pense qu'on a fait voilà, Une une grosse erreur. bourde. Mais moi, je suis non détectée. J'essaie d'attendre qu'il se calme. Oh là là, il y en a plein en fait des. Je récupère ton stuff. Oh là Oh là, ouais, ils sont. la nuit c'est vraiment pas friendly, hein. Ils La sont nuit faut vraiment faire beaucoup, hein. super super gaffe quoi. Hein. Bon, moi je vais essayer de venir comme un bourrin en mode Usain Bolt. Hein. On va Oh, il y en voir a si ça passe. partout, je suis encerclée. Je vais essayer d'en tuer quelques-uns, mais. Alors je sais pas si tu cours plus vite que les zombies. Mais je ne pense pas. Ça m'étonnerait du moins. Hop là. Sachant que je ne suis pas très 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 loin. Là, je te vois sur la carte. One shot. Double one shot. Oh, c'est trop bien l'arbalète. Tiens d'ailleurs, est-ce que dans cette version du jeu, tu as encore les infos sur les dégâts que tu mets en étant en mode sneaky?
Non, j'ai juste écrit x2. D'accord. Oui, donc ça, en fait, oui, c'était le message de base, il disait dégâts x2 quand tu es furtive, quoi. Hop. Voilà. Et ils te disent attaque furtive x2. Mais c'est génial parce qu'ils te détectent pas. Ouais, là on est bien pour l'instant, là on est bien. Merde. Fais gaffe, là c'est un gros, je pense que tu l'auras pas au bout d'un carreau. Ah oui, là on est en mode sunset, donc on est... Ouais, mais moi je suis hunted. One shot. Ah One bah shot, mais voilà. sur moi ce coup-ci. Il s'est rabattu sur moi du coup. Mais il m'a tué. Ah oui, il nous a littéralement dézingué. Une baffe, c'était fini, quoi. Alors, nos sacs à dos sont juste là. Bah Hop, écoute, on par y retourne, ici. hein. On va y Comment aller ça? gentiment en plus. Oui, j'ai plus mon arbalète, donc. On n'a plus rien là, on est vraiment en slip quoi. Attends, j'ai ton stuff. Ouais. Bon, t'embête pas, tu me le D'accord. rendras plus tard. Hop. Hop, hop, hop. Non, on peut pas sauter. On va quand même essayer de maîtriser la chose, quoi, faire semblant qu'on sache jouer, quoi. Ouais, qu'on sache faire quelque chose et qu'on maîtrise le truc, quoi. Que les zombies, ça nous fait pas peur. Nous ne sommes pas totalement aussi nuls que vous pouvez le croire. Bon, en tout cas, ça prouve bien une chose, si vous voulez vraiment vous la jouer en mode survie, etc., ça, vous verrez que c'est assez difficile, quoi. Il y a des choix à faire. Oui, là, c'est totalement pas RP ce qu'on fait. C'est pas RP dès le premier jour, hein, vu le nombre de fois où on est mort. Ah, j'ai piqué ton arbalète. Attends, je vais te rendre Ah. ça. Toi, t'avais rien sur toi. Alors, je vais Non, te j'en ai que rendre dalle. tes trucs. Il y avait ça. Tiens, mon couteau. Et B. Là, si tu veux bien le lâcher. Non, ça veut pas lâcher. Pourquoi je peux pas te lâcher le couteau? C'est pas grave, tiens. Je t'ai laissé ton Bon. arbalète. Moi, j'ai une petite hachette. C'est tout ce qu'il me faut. Attends, tiens, des bandages, non? Non, j'en veux pas. Arbalète, ici, mes carreaux, c'est bon. Je vais garder que ça, de toute façon, sur moi. Ah non, les bandages, en fait, je crois que c'était les miens. Que j'avais mis sur le côté. Hop. Puis bon, mourir, c'est une bonne façon de remplir sa jauge de faim et de soif. Vous Exactement. repartez à moitié. Ce n'est pas du tout un exploit. Y aura un mode hardcore? Hardcore? Je pense. Il doit y avoir sûrement ça déjà. Il y a des serveurs en fait survival multiplayer free PVP, où donc là chaque joueur fait sa petite baraque. Il y a des systèmes qu'ils appellent de Keystone, je crois, où en fait ça permet de claim un terrain, donc un petit peu à la manière de Minecraft, où on a un terrain à louer qui est protégé pendant 24 heures, etc., pour limiter le griff, etc. Bon, là, en D'accord. l'occurrence, comme on n'est que nous deux. Alors, qu'est-ce que le griffe n'étant absolument pas Alors, le du griff, en milieu? fait, c'est un joueur extérieur qui va s'approprier, pardon. Il va s'approprier des ressources, ou rentrer dans pénétrer dans ta maison, pour le plaisir de tout casser, ou pour le D'accord. plaisir de te voler tes petites ressources durement acquises. Alors là, tu vois, on est dans un décor digne d'un film d'horreur parce qu'on a rejoint un champ Un champ de maïs. de maïs, exact. Alors ce que je te conseille de faire, c'est de les péter par le haut parce que comme la physique est appliquée, si tu casses en Ah oui. bas, tout va se casser et ça fait du bruit. Et qui dit D'accord. bruit, dit... Zombie. Merci. D'accord. C'est pour ça que ça faisait du bruit. Ouais, et si tu passes dessus, ça fait aussi pas mal de bruit. Donc en plus, le maïs, ça va nous servir à avoir des ressources assez facilement, quoi. Et popcorn et tout, on va pouvoir en faire pousser chez Ouais. nous. Ça, c'est bien. Hop. Je ne sais pas s'il y a une recette avec le maïs déjà, ou si ça sert juste de ressources comme ça, mais en tout cas, On c'est verra toujours bien. pas mal de se trimballer avec ça, quoi.
Il y a un zombie dans les parages. J'en ai une centaine, ça suffit? Oui, ça suffit. Moi, je les ramasse juste pour pas faire trop de bruit quand je me déplace. Si tu veux, j'ai déjà fait un petit chemin là, en ligne Ah oui, droite. je suis ton chemin. Oh! Oula. Pousse-toi, pousse-toi. Ah mais je passe à travers? Pim. Alors, qu'est-ce qu'elle avait, la charmante Rien demoiselle? du tout. Tout ça Oula! pour ça. Exactement. Bon, moi, je vais avancer gentiment là, parce que je traîne un petit peu là, je traînasse. Voilà. On a enfin rejoint la route. Ah, attends. Oh, je saigne. Ben, c'est le moment d'utiliser Un bandage que je t'ai donné. un bandage que tu m'as donné, exactement. Attends, tiens, je vais t'en rendre un. Rejoins-moi juste. Je suis pas sûre que ça arrivera à temps. Ici. Je pense pas, il me reste une barre de vie. Hop. Hop, Non. c'est au sol. Ah si. Non, non. Ah bah non. Non, je t'ai dit, il me restait une barre de vie, ça allait pas arriver à temps. Oh, il n'y a plus qu'un bras, moi. Et j'ai encore perdu mon arbalète. Que j'ai complètement oublié de bouger. Donc voilà, c'est... Ah, il y a le jour qui va se lever en plus. Ben Y a le c'est bien, jour qui va déjà se lever, ouais. on va peut-être pouvoir survivre plus de 2 minutes à peu près. Ça Mais va être t'es où bien. sur la carte? Je te vois même plus. Ah, moi je suis vraiment sur la route. Je suis sur la route, tout simplement. Je crois que c'est encore... Ah non, mais non, attends. Ah mais si, t'es... Je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit, j'ai juste totalement confondu ta flèche avec la mienne. Ah d'accord, c'est pas grave, ça arrive. Parce que ce qui est archilogique, c'est de mettre notre propre flèche blanche, quoi. Et celle des autres en bleu. Enfin, en vert. Ça fait plus de bruit sur le béton ou l'herbe quand on Alors ça, marche. c'est une chose que je ne pourrais pas dire, mais je ne sais pas. D'accord. Eh bien, écoute. Ah, le jour se lève. Ça fait plaisir. Moi, je suis en train de manger du pop-corn au clair de lune en t'attendant. J'arrive de la rive, je cours sur la route du coup, en espérant ne pas me retrouver nez à nez avec une horde de zombies. Ce qui n'est pas impossible, hein, parce qu'il est bien connu que les zombies, de toute façon, suivent les routes. Hein. Là, ils sont malins. Ah bah tiens. Alors, par contre, Alors. là, quand on va aller dans la ferme, normalement, et bien normalement, on aura une bonne surprise. Oh mon Dieu, j'ai hâte d'y être. Je sais pas pourquoi j'ai peur. Alors, qu'est-ce qu'on a ici là? Attends, il y a des trucs par terre, je m'arrête. On en profite, tant qu'à faire. Une jante de voiture. Ici, nous avons des fleurs que nous ne pouvons pas ramasser. Un petit carton et nous arrivons devant la ferme avec un zombie face à nous. Et non, Que c'est nous. moi. C'est moi. Non, non, c'est un Ah bon, zombie. pardon. Là, y a, dans le maïs, il y a un zombie. Juste à, là. Voilà. Ah. Et oui. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'il dégomme les pains de maïs là, à moins que ce soit l'un de nous, mais je pense pas. Hein. Je crois qu'ils peuvent péter les plantations. Hein. Je pense parce qu'apparemment, oui, je le vois faire. Ah, il fait sûrement partie de la secte à José Bové, un truc comme ça. Hein. Antiogène. Oh mon Dieu. As-tu récupéré mon arbalète? Oui, elle est pour moi. Ouais, hop. Oh purée! Alors ça, c'était assez génial quand même. Le zombie qui court à travers les maïs pour me choper là. Le monde à l'envers. Merci. Voilà, en plus en te droppant l'arbalète, quoi. Alors bon, normalement il va être un petit peu plus docile là, le soleil vient de se lever. Je ne le dirai pas. Encore une belle journée. Journée avec la Miricorée. Donc celle-ci, on l'avait fait. Eh bien, c'était dans la première version qu'on l'avait faite. On ne l'a pas ressortie. Je crois que vous allez l'entendre souvent, hein.
Mais le problème, c'est que comme je te disais, tu vas voir qu'on va se choper des droits d'auteur. Ouais, ils sont quand même, ils sont excités quand tu les shootes. Ils courent partout, mais vu la distance, putain, mais j'arrive pas, encore spoté, j'ai, hein. J'ai vraiment un problème de sensibilité de souris là. Je viens de gaspiller 3 carreaux pour rien. Ah là là. Tu veux que je te montre le vrai sniper? Oh mais vas-y, vas-y. Non, tu vois, je suis pile poil dessus, mais je le touche pas. Je pense que j'ai un problème de décalage comme dans Skyrim quand j'ai la souris foi, qui sort. Mauvaise foi. Mauvaise foi, c'est tout. Attends, comme dans Skyrim, attends, s'il te plaît. Ah bah oui, il te fallait. Oh, mais là, ça a marché. Comme par hasard. Mais peut-être parce que j'ai sorti ma souris de l'écran et que je l'ai ramenée. Ouais, et on va te laisser faire le un doute. Truc comme ça. Hop. Et on y revient. Et dans Skyrim, ils te font un mode et foiré. Hop là. Oh punaise, ils sortent même de là-dedans. Ah bah voilà, j'ai fait le malin, tu vois, je te taquinais et je poque. Que j'aurai assez de carreaux. Hop. Excusez-moi, je suis concentrée. Hein. Je parle pas beaucoup. Voilà. Oh, c'est massacre à l'arbalète. Oh mon dieu. Oh, mais j'ai le saignement, merde. Bon, moi, je suis j'ai jaloux. Pas eu le temps de récupérer mon arbalète. Oh, moi, c'est je dommage. Suis jaloux là que t'en aies une d'arbalète, donc je m'en suis crafté une vite fait aussi. Cool. Et je t'attends, parce que bon, quand même. Oui, quand même. Merci. Voilà. Mais de toute façon, moi, j'ai quasiment plus de carreaux. Je n'avais pas vu qu'il y avait autant de monde. Alors, te voilà. Bon, par contre, j'ai remarqué un truc. Hop là. J'ai remarqué un truc. Oui. C'est que sur ta minimap, quand tu cours, en fait, on ne le voit pas bien parce que la carte est toute petite. Mais en fait, il y a des petites ondes de choc quand tu marches. Ah bon? Ouais, qui représentent sûrement. Enfin, qui représentent le son que t'émets quand tu te balades. Mais ça, tu peux le voir vraiment quand tu cours. En tout cas, sur l'herbe, c'est comme ça. Alors peut-être qu'effectivement, sur un autre terrain, ça change quelque chose. Mais ouais, non, j'ai jamais vu en fait les ondes de choc sur la minimap. Il faut tirer avec une arme à feu pour bien le voir, ça fait vraiment comme de l'eau, enfin comme si tu... Le même genre de cercle, ouais. Quoi, qui se propage. D'accord. Alors, on aurait été plus vite par la route, non? Ah, pardon, ouais. Non, maintenant c'est pas grave, on est tout droit, on est parallèle, c'est bon. C'est jamais, tu sais, s'il y a des bandits ou. Mon dieu, caché dans les arbres pour nous voler notre richesse. Il a donné aux pauvres. Ah, mais non, merde, c'est les mers. On fait partie des pauvres. Il a donné aux zombies. Ah, moi j'ai pour seule richesse mon arbalète et quelques carreaux, mais bon. D'ailleurs, ouais, on va quand même passer par l'herbe, voir si on n'a pas quelques nids par là. Toi, t'es en train de fighter. Ah oui, oui, regarde. Tu vois le petit lapin là? Il y a un lapin. Mais oui, justement, le petit lapin. Tu le tues pas? Bah si, je voulais, mais c'est un lapin qui est dopé à quelque chose, je sais pas ce qu'il a. Hein. Franchement, attends, t'as vu ce lapin là? Je sais pas si t'arrives à le viser ou quoi que ce soit, mais c'est un lapin energizer quoi. C'est clair! Il a bouffé des Duracell aussi en même temps. Hop là, voilà, j'ai shooté le lapin. Oh, j'ai. Le lapin mouton, attends, faut quand même. Ah oui, le lapin montrer, mouton, hein. oui, c'est. T'avais quand même réussi à le confondre avec un mouton celui-là. Non, mais il faut avouer quand même que l'angle de vue dans lequel je l'ai présenté, on aurait dit un mouton.
Un mouton Fukushima, alors. Que le pauvre mouton, hein. Par contre, il est sympa, il m'a donné des trucs. Ah bon? Il t'a Ouais. donné quoi? Alors, attends, il est super cool. Mais elle est mieux ton arbalète! Bah oui, parce que c'est la mienne. Genre! Voilà, le petit lapin, il m'a donné des trucs Oh! assez cool. De la peau et de la viande! Et du cuir. Oui, du coup, oui, non, mais c'est de la peau à la base, Ah, avant bah d'être. oui. Voilà. Avant d'être tanné. Bon, mon sac, il est où? Là-bas. Comment on fait une meilleure arbalète? Mais non, mais c'est une arbalète normale en fait. Non, c'est pas la même que la mienne. Je te promets. Non. Ne me crois pas, ok. Non, c'est vraiment une arbalète lambda, hein, c'est une arbalète classique. Alors par contre, il y a un chien. Hop. Ah si, il y a le cercle aussi, mais on le voit pas quand je l'équipe. Ah, il est juste en bas. Sniff. Hop là, alors le chien nous a sunsed et maintenant il s'est caché, le coquin. Ouais, mais moi je ne suis pas détectée. Oh, c'est excellent, j'adore, j'adore, j'adore. Ah mais il est résistant celui-là, hein. Ça c'est du chien en titane, je pense. Hein. Je pense qu'on va le laisser tomber, hein, parce que là c'est déjà trois carreaux de perdu. En plus il s'excite Chacun. dans les champs, on va le laisser tranquille. Hein. D'ailleurs, combien j'ai de plumes? 10, il me reste 4 carreaux. Tu me protèges vite fait, s'il te plaît? Attends, j'en avais un petit paquet en fait sur moi, j'avais pas fait attention. Je vais t'en donner quelques-uns. Ça Ah évitera, on fera ça. Ensuite, on fera ça plus tard. Tiens, j'en ai droppé exactement 27. cool, merci. Par ici, là. Je les vois. Ah, voilà, ils sont là. Très Tu difficile à fais voir. E, c'est bon, Oui, c'est ouais. bon, tu les as eu. Nickel, nickel, nickel. Alors, Merci beaucoup. est-ce qu'on explore d'abord la maison? On essaye de Oh là, trouver c'est quoi ce truc? le cadeau. Ah si, ça doit être comme ça les ondes de choc là, ça fait une croix. Ouais, alors ça, entre autres, ça, c'est quand tu ramasses un objet, tu le vois. Alors ça, c'est un peu... Oh, purée. Alors, ils viennent de partout. Voilà. Merde. Voilà. Bon. Ok, à deux, on les a eus. Je vais m'occuper de l'autre. Chien Là. zombie. Là. Voilà. Alors, on trouve une boîte de bonbons sur un zombie, pourquoi pas. Ah oui, d'accord. Ah, effectivement, je vise aussi mal que toi, hein. Il y en a un derrière, là, il est en train de Tu me s'éclater. vois, Ah, décidément, hein. oh, mais t'es pire que moi en fait. Moi j'arrive à faire des têtes, mais. Faut pas le dire. Oh, Oh, purée. GG. Ah non, il est pas mort. Mais moi, si. J'ai beaucoup de mal. Oh merde! J'ai beaucoup de mal à viser là avec sa. La souris. Je sais pas. Comment en fait je pourrais régler ma sensibilité pour le curseur là, parce que je l'ai mis, j'ai modifié par rapport au jeu et à ma souris. Ça me modifie bien la sensibilité partout, sauf sur le viseur. C'est étonnant. Enfin, Bon, le point ici. en tout cas, cette sortie, hein, elle m'a bien calmé. Je pense que la prochaine qu'on va faire, il faudra qu'on soit bien préparé pour... Oui, on va faire ça un petit peu mieux pour la prochaine fois, de toute façon. Et on va quand même se préparer normalement. Là, on a fait un petit peu les idiots, on a rigolé, c'était marrant. Moi, j'aime pas mourir. Le gosse. Mais de Bah toute façon, oui. après, on fera ça un petit peu plus dans les règles de l'art, là. À partir du Bah oui. prochain épisode, on va faire ça Là, correctement. on fait les basiques et la découverte. Voilà, histoire de vous donner envie d'en voir un petit peu plus. J'entends un zombie, je ne le vois pas, d'accord, il est à la maison. D'ailleurs, j'espère que bientôt je pourrai vous parler de la 8.2 et de ses ajouts. Ah bah oui. On est Ça très me... très impatient de voir la mise à jour, n'empêche. On peut même fouiller les boîtes aux lettres. Regardez Ah comme oui, c'est les magnifique. boiteaux, hein. Et alors je vais dire sûrement des bêtises encore, alors j'espère que quelqu'un me corrigera, hein. Mais je crois que
peux ou tu pourras écrire sur le papier. Laisser des petits Ah. mots. Un peu à la Dark Souls. À la Dark Souls, à la DayZ, entre autres. Ou dans DayZ, il y a carrément, par exemple, des œuvres qui sont intégrées au jeu. Donc de différents auteurs. Hein. Ouais. Ouais, dans DayZ, tu peux ramasser par exemple un livre. J'avais vu un bonhomme qui avait laissé le livre de Moby Dick, par exemple, qui était D'accord. complètement voilà, qu'on pouvait lire. Ah, Bah, génial cette il y a le maison. plasma là, hein. Il y a le Ouais, plasma, je vois celui-là, ça. j'aimerais bien l'emmener à la maison. Punaise, un écran aussi grand, je le veux bien dans mon bureau aussi. On peut l'allonger, quoi. Ah, mais on peut prendre le canapé. Oh, c'est bon ça. Ah bah moi je dis oui hein, moi je dis oui là. Ah, mais j'ai pris le canapé et un bout de canapé. Alors là. En tout cas, c'était des gens prévoyants parce que vu le nombre de canettes qu'ils ont et vu le nombre T'as tout pris, hein, bouffe? Ah, je suis en train de faire une razzia, hein. Vas-y, vas-y, je vais voir les autres pièces. Oh, une cave. Putain, tu m'as fait peur. Oh. Oh, regarde. Un Slenderman peut-être? Ah bah non. Ah bah non. Regarde, Oula. j'ai trouvé le proprio, il est là. Ah Attends, je bah. suis en train Ah d'ouvrir oui, un effectivement. coffre-fort. Que va-t-on trouver là-dedans? Une plume. Ratchets ou Ratchez? Natchez? Safeco. D'accord. Bah écoute, c'est pas super safe parce que je peux l'ouvrir facilement, donc même si ça me prend une minute. Oh, le bruit qu'on fait. Non, mais c'est bien le bruit, ouais, qu'on génère finalement. Ah oui, tu génères du bruit. Je sais pas si vous le voyez ici, là, toutes ces petites ondes en croix. Bah, c'est le bruit qu'on fait. Oh, des roquettes! Il y a Oh! le lance-roquette Et il y a le lance-roquette avec. Oh Oh non, mais purée. énorme. Oh, je le prends juste parce que je veux vous montrer ce que ça donne. Et je laisse les balles dedans parce que je suis full, en fait. Je pense même qu'on pourra. On pourra dire un petit au revoir là en pétant cette maison quoi. Ouais, je pense aussi. Ah, c'est lui le propriétaire de la maison? Je pense, hein, vu la Ah position déprimée qu'il nous fait là. il est fort possible, oui, que ce soit lui. Eh bien, il avait une jolie petite cave, dis-moi. Et donc, est-ce qu'on peut péter, par exemple, comme par exemple dans Starbound, péter les murs pour récupérer les matériaux? Alors les murs pour récupérer les matériaux, et ben moi je te dirais le moyen le plus simple de le savoir, hein, C'est d'essayer. c'est d'essayer, exactement. Mais pas tant qu'il y a des zombies à l'intérieur, hein. Je peux pas rentrer dans cette pièce-ci. Alors moi je suis à l'étage, hein, t'inquiète pas si tu ne trouves rien là, je D'accord. suis en train de faire la razzia. Mais tu n'as pas ouvert la porte. Je n'ouvre pas la porte, moi je Moi, suis je comme ça. l'ouvre. Oh, mais c'est la porte d'extérieur. Alors, après, tu es parti à l'étage. Et il n'y a pas de zombies? On entendait pourtant encore des zombies en Ah, ils haut. sont à l'extérieur. En général, souvent à l'extérieur, il y en a peu dans les maisons ou pas. Ça dépend, Oh, il y en avait là, ici. avec les règles de spawn, en fait, je les connais pas trop bien, en fait. Mais Y avait du quoi coup, ici? il n'y a plus rien. Alors, je vais essayer de péter un mur. En attendant. Ah, pour le bazooka, moi, je te dirais, mets-toi dehors. Oui, le bazooka, on fera ça dehors. Alors, si je pète ça, je ne sais pas si ça m'a fait quelque chose. En tout cas, je sais que si tu pètes des portes, tu peux récupérer des petits éléments dedans. Ça, c'est clair. Là, j'ai rien eu visiblement. Il n'y a pas un log qui nous dit ce qu'on récupère? Non, je ne crois pas, mis à part dans la console, sûrement, où là, tout est consigné. Oh, il y a un truc bizarre là. On dirait un faux. Une fausse porte, un faux mur. Non, c'était un petit bug de texture. Ah oui, je fais une porte supplémentaire. Allez, porte supplémentaire avant de tout faire péter. Tu veux rester à l'intérieur pour voir ce que ça donne, le bazooka? Ah bah moi je te dirais bien fais-toi la façade quoi.
Oh, je viens de trouver des trucs super, super, super sympas. Dans le bâtiment d'à côté? Ouais, dans la petite grange là. Et bon, c'est pas le truc super, super sympa dont je m'attendais, mais peut-être que je vais le trouver quand même. C'est quoi, c'est quoi, c'est quoi? Ah, attends, si je le trouve, je te montrerai, mais bon, ça n'a pas d'intérêt de t'en parler pour le moment. Bon, je suis curieuse, moi, je veux savoir. Hop là. C'est toi qui as tué ce pauvre cerf, là? Ah oui, je l'ai mangé. Y a un chien par là. Pourquoi t'es arrêté sur l'échelle? J'ai un petit problème. Petit plantage. Petit plantage pas important. Donc on est allé récupérer juste en haut deux, trois petites babioles qu'il y avait. Moi j'ai récupéré des plumes supplémentaires pour l'arbalète. Qu'on se partagera de toute façon une fois revenu au camp. J'entends un chien grogner depuis tout à l'heure par là. Effectivement. Voilà. D'ailleurs, j'ai trouvé de quoi. Hop. Et on dirait un cheval d'ici. Ah ben ils sont bizarres les chevaux chez toi, Non mais de voir que la tête et le long cou, si tu veux, ça faisait hein. l'anatomie d'un cheval, quoi. Ouais, un Mais plus cheval petit, quoi. de Fukushima, quoi. Il est tien à son Fukushima. Ah ouais, Bon, clairement. ben écoutez, on a fouillé par ici. Moi, ce que je propose, comme tu nous l'as si bien annoncé tout à l'heure, c'est... Pourquoi je suis ralenti? Non. C'est de ben, carrément péter cette jolie baraque Comme diraient les enfants, au oh oui, un lance-roquette. feu d'artifice. Hop. Ici. Oh. Si c'est pas beau ça. Regardez-moi comme c'est pas beau ça. Allez, gringo. Allez, gringo. Hop. Alors, tu veux que je tape où? En haut? En bas? Ah, Au attends, moi milieu? je te Par la dirais fenêtre? bien là. Là, tu vois où j'ai Là? tiré? Au milieu Ouais? là pour faire un. Vous êtes prêts? T'annonces le tir? Allez, 5. 4, 3, 2, 1, 0. Ok. Flop, flop, flop. Bah écoute, hein, je pense qu'on était chez un trafiquant d'armes taïwanais, hein, parce que ton lance-roquette, il est un petit peu périmé, hein. Ça a même pas attiré de zombies, quoi. Ah si, si, il y a quand même une sacrée onde. Mais j'aimerais bien tirer sur un zombie. Non, bon, on finira pas sur une... Oups, je vais mourir de faim. Tiens, Attends, ben tiens, reste. tiens, 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 tiens. Ah, Hop. je suis un petit peu full. Oups. Ah, mais j'avais déjà un truc, en fait. Allez. Mais j'ai... Oh, purée. Waouh. Elle m'est passée à côté, hein. Je me suis un petit peu loupée, pardonne-moi. Heureusement que les tiramis ne sont pas comptés. Ah, mais le pop-corn, ça se mange pas? Ah si. Ouais, oh, J'en tu veux avais me une donner une centaine. roquette, mais c'est tellement gentil. Mais madame, que faites-vous avec ce pop-corn? Je mange, mais j'ai tellement soif que je suis en train de mourir de soif, en fait. Eh bien, écoutez, les amis, on va vous abandonner ici et on vous dit à la prochaine pour la suite de ces aventures fantasques. Et moi, je vais mourir lamentablement ici. Tiens, je te Et donne le lance-roquette. Hop. salut les amis et bonne Oh. nuit. Bonne nuit, les petits. Allez, à ciao!